est en liesse. Des centaines de milliers de personnes, jusqu'à 3 millions même selon certaines sources, ont acclamé en héros les nouveaux champions du monde de baseball. Un peu plus tôt cette semaine, les Red Sox ont remporté leur première série mondiale en 86 ans. Le défilé s'est déroulé dans les rues de la ville et aussi le long des berges de la rivière Charles. Les policiers avaient mis en place un important dispositif de sécurité pour éviter tout débordement. Une dizaine de personnes ont été arrêtées. Vous feriez pareil si seulement vous saviez. T'es si imbécile, t'es si ridicule, tu me fais du bien. Fais pas de conneries. J't'aime bien la face, pis tu me dois encore 50 piastres. Dans mon âme et dedans ma tête, il avait autrefois à te dire. Dis-moi ce qui t'a mené. Alors, vous venez de voir les 10 chansons populaires de l'année et à la maison, c'est à vous de décider quelle sera la chanson la plus populaire de l'année. Bon, là, c'est le temps de se parler. Je vais répondre aux trois questions que tout le monde se pose concernant la disque cette année. Première question, pourquoi Pierre Lapointe n'est pas là? J'ai dit Pierre, pas Éric. Pierre Lapointe n'est pas en nomination cette année parce que lui et ses représentants ont décidé de s'inscrire au gala de l'an prochain. Ça arrive des fois quand un disque est à cheval sur deux années d'éligibilité. Donc, je n'ai pas coupé Pierre Lapointe au montage. Deuxième question. Pourquoi les trois accords ne sont pas là? Les trois accords ne sont pas là parce qu'ils sont tellement nouveaux dans le milieu, les tipites, qu'ils ne savaient même pas qu'il fallait qu'ils s'inscrivent à la disque. Et tous les autres gérants n'ont pas pensé leur dire. En plus, ça coûte genre 1 500 $ pour s'inscrire à la disque, puis il y en a deux dans la gang qui n'avaient pas encore reçu leur pré-bourse, alors ils vont être là l'année prochaine. Troisième question, pourquoi Danny Bédard n'est pas en nomination? Bon, dans les galas, là, pas juste à la disque, il y a du monde qui vote. Des fois, il vote correct. Des fois, il vote bizarre. Des fois, on n'est pas en nomination, puis on aurait dû. Des fois, on gagne, puis on n'aurait pas dû. Alors, Danny, dis-toi quelque chose. Tu n'es peut-être pas en nomination, mais les chansons jouent dans plein de maisons. Puis s'il y a du monde qui ont gagné des Félix, que leurs chansons jouent dans aucune maison, bien, ça se peut aussi. Les gagnants, c'est un choix arbitraire, exactement comme celui des stations de radio commerciales, qui, parmi les 1760 nouvelles chansons québécoises endisquées cette année, ont décidé d'en faire jouer seulement 86. Ce qui fait en sorte que d'excellentes chansons ne jouent jamais à la radio, ce qui fait en sorte que d'excellents albums ne se vendent presque pas. Mon travail d'animateur ce soir n'est pas de juger ce processus de sélection, mais je le juge quand même. Alors, pour présenter le Félix de la révélation de l'année, voici deux ex-révélations de l'année, Daniel Boucher et Ariane Moffat. Ariane Moffat. De Daniel Boucher, t'es donc babaine à tricoyer. T'es pas pire, toi, c'est-tu? Merci, merci.
OK. Nous sommes ici, on est ici, vous autres aussi, c'est simple. Je sais des sautes, mais quand même, on vous présente un prix. Révélation. Révélation de l'année. Révélation. Hey, toi, t'as eu ça quand, donc, t'sais? L'année passée. Ah oui, c'est vrai. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, j'étais reconnue aux gens coutus de Chicoutimi. Me crois-tu? Ah ouais, je t'ai créé. Puis l'année a passé, le micro à la main, j'ai parcouru le marathon de la chanson. Le marathon? Le marathon. Ça fait que cette année, dans la catégorie révélation, voici le nom des nominés. Ben Charest. Jamil. Marie-Hélène Thibert. André Waters. OK, ah oui. Coupe, et le gagnant ou la gagnante? Et Ben Charest! Aucune grande révélation. J'étais absolument pas prêt pour celle-là. Je vous remercie beaucoup. Je veux remercier tout le monde qui m'ont aidé parce que souvent la musique, c'est, tu sais, ceux qui sont ici, c'est souvent la pointe de l'iceberg. Il y a bien du monde en dessous qui nous aide, qui nous inspire et qui sont absolument essentiels. Je vous remercie tous. Bonsoir. Bravo, bravo, Ben. Cette année, il y a eu 21 nouveaux artistes qui en sont à leur premier album et qui se sont retrouvés en nomination dans l'une ou l'autre des catégories du gala. Et la disque a produit une compilation comprenant une toune de tous ces artistes et l'offrira en cadeau dès demain à tous ceux qui achèteront l'album d'un artiste québécois chez les disquaires participants. Le gala de la 10 vous revient dans 3 minutes. Bonsoir, ici Véronique Loutier. Le groupe Cogeco et tout le réseau Rythme FM présentent ce soir le Félix pour l'album Pop Rock de l'année. Bonne chance à tous les artistes en nomination et félicitations à tous les artisans. Bonne soirée. ...2004 a été une grosse année pour Corneille. Lundi passé, il a remporté au gala hors d'onde deux Félix, celui de l'artiste étant le plus illustré hors Québec et celui de vidéoclip de l'année. Il a vendu plus de 600 000 disques en France. Presque 100 000 disques au Québec. Et au nombre de disques qu'il a vendus dans la francophonie, il a de plus en plus de difficultés à nous faire croire qu'il est seul au monde. Voici Corneille.
sans savoir les fantômes qui me hantaient, les requiems que je me chante. Je joue dur chaque jour qui passe, et les pierres de chaque mur un jour se cassent. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je veux qu'on voit. Maman m'a dit avant de partir, compte jamais tes faiblesses, et dans le pire, reste fort, avale tes larmes, car ta fierté restera ta plus belle arme. Donc je sais rire quand il le faut, mais faut pas croire, je craque les cons pour le dos. Je marche droit pour ne pas plier, d'ailleurs je chante souvent pour ne pas crier. Quand je pense à ma vie, face à mes nuits, chaque jour qui se lève me dit que je suis seul. J'ai Noël et toutes ces bêtes, fêtes de famille et tout ce qui rappelle ma plus belle vie. Je suis jaloux de vous les chanceux qui prenaient votre chair, votre sang pour acquis. J'ai horreur de votre pitié, je prends très mal votre générosité. Ça fait déjà un bout que je me suffis, c'est pas vrai mais pour être fort c'est ça que je me dis. Quoi qu'il arrive, faut que je reste dans mon rôle. Quoi qu'il arrive, faut pas que je perde le contrôle. Je pense à moi avant le reste du monde, car avec les années, je me suis rendu compte que si c'est pas moi, ce sera personne. Pas lui, pas toi, ni personne. Ici, ben, c'est chacun pour soi, pour les pauvres et fiers solitaires comme moi. Quand je pense à ma vie, seul face à mes nuits, chaque jour qu'il se lève me dit que je suis seul en monde. Rien à faire, je suis seul en monde. Je peux plus le taire, je suis seul en monde. Je me sens seul en monde. Chaque jour qui passe me répète que je suis seul en monde. Rien à faire, je suis seul en moi. Je peux plus le taire, je suis seul en moi. Je me sens seul. Des fois je trouve amour dans les yeux de lune, et des fois je trouve le jour dans Bonsoir. Bonsoir Martin. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Nous sommes ici pour vous présenter les nominations pour l'album Pop Rock de l'année. Alors, les nominations sont? Album de l'année, Pop Rock, Prix Lumière. Vincent Vallière. V'là le printemps, ma Juliette. Enfin, je sers ma chaufferette et j'empourche ma mobilette. Puis je sors mon squelette plein. OK. Alors, le gagnant ou la gagnante ou les gagnants? Stéphie Choc! Très touché et ému. Matériel ou serait simplement mieux? Après une perte de temps, c'est dans un paquet en papier brun attaché avec un fil noir qui se trouverait. J'ai appelé ma famille et je leur ai répété ce qu'ils m'avaient dit. À titre d'exemple, je leur ai dit, ne vous fatiguez pas avec quelque chose comme ça.
J'ai tendu la main et j'ai pris le premier grand cartable que j'ai trouvé et je leur ai dit, vous ne le trouverez pas là-dedans. Je l'ai ouvert et à l'intérieur, il y avait le journal qui racontait l'histoire de Yankee Jack. Ce soir, à 22h, voyez comment ils ont frôlé la mort et survécu miraculeusement à défier la mort. Puis, à 23h...